Et on est de retour pour peut-être la fin, je sais pas, ça va sûrement encore durer pas mal de temps, j'imagine, on va voir. Alors, la porte d'avertissement, une fois que vous aurez affronté Liberty, vous ne pourrez plus terminer de mission, excepté à Yuma et dans les zones DLC, c'est où on va finir, let's go. Oh! Madame la classe, vas-y. Ironclad Cordite. I was wondering what made my shaky little coalition of pawns self-destruct. I should have guessed it was you. I'm impressed. You know how to light matches inside a fireworks factory. Bravo. Bravo. But really, it's not you I'm angry at. A dog can't be blamed for fighting to the top of a trash heap. That's its nature. I reserve my anger for my father, who should have killed you in the attic. Okay. I would have if I was him. Instead, he held you, in case you might be useful one day in some political bargain. Old fool. He fails to understand that bargains and alliances just lead to endless unwinnable wars. Why can't he see the simple truth? That only by ruling everything and everyone can one truly have peace. Only an empire is their stability. Ok. J'étais en train de regarder les modes en fait qu'il y a sur Westland 3. Il y en a pas mal. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Alors vous avez de l'ambition, c'est certain. Vous voulez pas la paix, vous voulez la soumission. Waouh. Et Luc, perso, votre père était cinglé. Alors, vous avez de l'ambition, c'est certain. A world in chaos is ripe for the taking. And you, intentionally or not, have made the taking of it just a little bit easier. Ok. Mon cul, ouais, on a rien fait pour vous. Non, comment donc? You've got both my brothers locked up in your headquarters. All the eggs I want to crack are in one basket. So, thanks. Bah de rien. Non, pas vos remerciements, le but n'est pas de vous aider. De rien, ravi de vous rendre service. Is that sarcasm? Well, it doesn't matter. Now, I'm... Liberty Buchanan? My name is Lucia Wesson. And I call you out for the deaths of my family and the kidnapping of my father. Return him to me without delay. Also, I demand satisfaction from you. Gun to gun. Wow. That'll have to wait until we're done here. But you can speed the proceedings and the release of your father if you switch sides and fight for me. Oh. No, thank you, Miss Buchanan. I know what my father would say to such a proposal. Unfortunately, it's not fit for polite company. Or yours. Then you'll have no one to blame but yourself when he dies, will you? Now, where were we? Oh, right. Whatever ultimatum you're here to give me, I'll save you the trouble and give you one of my own. Go back to Arizona, Rangers, and I'll pretend none of this happened. Stay, and you die alone, far from home. What do you say? Est-ce que tu peux nous rejoindre en fait? Bon après c'est peut-être pas vraiment le style à suivre les ordres, mais ce serait sympa. Waouh. Sans déconner quoi. Je suis tellement dégoûté. Je suis tellement dégoûté. Je peux pas recharger la partie. Je suis tellement dégoûté. Donc il faut gros dur, lèche cul et un télo 3. Un télo 10, pardon. Putain, il nous faut quoi en avec? Il peut pas avoir un télo 10, notre Zeus, là. Oh là là, qu'est-ce que ça me prend la tête, ça. Oh là là. Putain, il manque un point, quoi.
Ah, à la limite, on peut lui donner le livre maintenant. Putain, on va jamais y arriver. Hein. Ça va me rendre fou. Bon, ce qu'on va faire. Alors, Lucia, je crois qu'on va la garder. Je suis pas complètement sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On la garde ou pas? Je pense qu'on va la garder. Et je crois qu'on va prendre Quan avec nous à la place de Thunder. Je pense qu'on va faire ça. Aïe aïe aïe. Bon, on a un télo de 9. On pourrait utiliser le lit, ça nous ferait 10. Désolé, hein, ça va prendre encore un petit moment. Alors après, je me rappelle que j'avais un coffre avec un télo 10. Donc on va peut-être faire ça aussi. Oh putain, ça me rend fou quoi. Parce que Cordit, on peut pas l'enlever. On est bloqué avec lui, ok. Lucia, ça va nous aider. Enfin, ça va nous aider. Enfin, ça fait partie d'une de son histoire principale, donc on devrait l'avoir avec nous. Comme ça, elle a des répliques. Genre, par exemple, là, elle a une réplique. Donc, pourquoi pas la garder. Quan, il a... Alors, du coup... Voilà. Ah, ça fait de l'expérience. Je sais plus où il était, le coffre. T'es là-dedans? Non, je crois qu'il est à l'extérieur. Il est là. C'est par ordinateur, il est perçu. Ok, ça marche. Ok, Lyshenko. Today only we speak American, yes? We practice for glorious invasion. Ah, Shansky, I mean, yes. When great day comes, no one will be doing. We are not good old American boys. Oh, I start, okay? Ooh. Hello to you, friend. I would like hot dog, if you please. Of course, pal. One hot dog to be coming up. Would like eating fried potatoes as well? Thank you. What kind of American am being if I'm not liking fried potatoes? It is best, yes? Yes, yes, it is best. It is... Lyshenko, are you hearing beeping? Like altitude meter? Oh, please, Shansky. This is not being typical American conversation. Ask me about my picking up truck. No, Lyshenko, I think there is a problem. We can't see. Okay. Hop. T'avais programmé les drones de sécurité à la station protégée à l'heure actuelle. Oh! Ça tue! Ah, ça tue! Il y a des drones et tout. Privyet! Privyet! Bonjour. Ok, nickel. Nickel, nickel, nickel. Bon allez, on avance.
Donc du coup, on va récupérer Quan. Et on enlève... Ah putain, si on enlève Thunder, on n'a plus la défense. Plus 8 sur tout le monde. Oh là là, oh, ça me fait chier, quoi. Oh, comment ça me fait chier. Ça va me rendre fou, ça va me rendre fou, ce bordel qu'on a là avec les personnages. Genre, il faut toutes les habilités sur nos persos, en fait. Faudrait tout... Ouais, faudrait du crochetage, truc d'intello, gros dur lèche-cul, faut tout ce qu'il y a. Bon, désolé, ça va prendre encore juste deux minutes, le temps d'aller-retour. Pas besoin de couper, vous allez m'écouter parler du beau temps, c'est tout va bien. Ah, c'est énorme ce jeu. Après, ce qu'on peut faire aussi, mais bon, ce serait beaucoup d'argent à chaque fois. Ça serait modifier nos persos pour avoir des atouts en plus, des avantages. Genre les avantages par rapport à ce qu'on a besoin. Mais je pense que ouais, le mieux, ce serait de refaire des persos qui gagnent des points de compétence à tous les deux niveaux. Genre au niveau 25, là, notre sentinelle, il pourrait avoir une barre supplémentaire. Genre de compétences, genre pleine. On a mécanique et survie, là on pourrait avoir une barre pleine. Alors du coup, il nous faut Quan. Ça va être un peu chaud de faire ça, mais... On le prend à la place de Thunder. Si jamais il y en a plein qui se retournent contre nous, on va être dans la merde. On va être grave dans la merde. Attends, toi tu voulais quoi? Gros dur. C'est quoi qui donne gros dur, c'est ça? Ça et notre armure 6. Armure 7. Enfin, on va mettre du commando, donc ça ira mieux. Nickel. Et pour arme, on va lui mettre un SOCOM. Et je sais pas quoi. Ah oui, on lui avait mis ça. Ah, c'était pas mal ça. Des bons dégâts. Voilà, nickel. Niveau 30 d'armure, c'est très très bas. Ah, du coup, maintenant... 66... Ouais, ça va faire un vide. Ça va faire un vide. Mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Honnêtement, je vais être très très surpris si vraiment on a des problèmes à jouer, genre à combattre. Je vais être extrêmement surpris.
Bon, après, pour les mods que je regarde à vite fait sur le téléphone, il n'y a pas grand chose en fait. C'est genre des. Pardon, excusez-moi, je suis pas. C'est genre des portraits. Et c'est à peu près tout. Après, il y a des New Game Plus, mais je crois que c'est des sauvegardes en fait qui sont. Genre juste avec genre tous les objets du jeu ou des trucs comme ça. Ouais, c'est des sauvegardes en fait avec des niveaux, des persos montés et beaucoup d'armes et tout. Il y a un mode qui a l'air intéressant, à la limite, ça serait de pouvoir retirer en fait les modes d'armes et armures. C'est vrai que bon, de les perdre comme ça, c'est chiant, parce que ça pousse toujours à vouloir en récupérer plein. Mais bon, j'ai envie de dire, dans un sens, vous avez vu, on est en difficulté la plus élevée du jeu. On baigne dans les objets, dans les modes, dans les armes. Enfin voilà quoi, c'est pas comme si on avait vraiment de problème au final. Je sais que c'est chiant, genre si on doit utiliser un truc, par exemple, je sais pas, dégâts plus 8 là, qui est quand même rare. J'avoue que c'est relou, mais bon, on a encore 10 000 de ferraille, on peut les crafter. C'est pas vraiment ça qui va nous gêner. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais sauvegarder. Oh mon dieu, t'es... Et on va peut-être voir les différentes réponses qu'on peut avoir. Avec notre dadam. Ironclad cordite, but really, I would have if I was. That only by ruling everything and every world in chaos is right for that. You've got both my brothers locked up in your headquarters. Is that sarcasm? Liberty Buchanan. That'll have no thank you. Then you'll have no one to blame. Whatever ultimatum you here give me. Alors, gros dur. C'est vous qui allez mourir seul, sans votre armée, les autres gangs se retourneront contre vous. Votre seul espoir est la clémence de votre père. M'intéresse pas. Si nous rentrons chez nous, vous perdrez, les gangs se retourneront contre vous et votre père vous enfermera pour de bon. Permettez-vous d'être votre nouvelle armée et le Colorado vous appartiendra. C'est pas mal ça. Servez-vous de votre radio pour pirater son armure assistée et désactiver son contrôle de drone. Je vais faire l'HQ, mais d'abord je veux voir ça. Fuck. Now it's a fair fight. Attack! Now, hurry! Huh. Ok. Elle a 11 000 HP, ben putain. Elle a un SOCOM, je crois. Percival Wesson. Ok. Intéressant. Intéressant. Donc on peut faire ça pour la combattre. C'est la pirater son armure et tout, et comme ça les robots la suivent plus, sympa. Si les trois choix, là, enfin les deux choix, parce que le premier on va pas le faire, le gros dur ça sert à rien, on va juste la provoquer. Mais si les autres choix... Pourquoi on est là? Pourquoi j'ai... Ah putain, j'ai pas fait de sauvegarde rapide devant la porte, fait chier. Aïe aïe aïe, je veux voir si elle veut, si on peut se joindre à elle. You telling me?
My face hurts. Oh. Oh là là, j'en ai marre. Ok, c'est bon. Enfin, après, on peut tester l'autre réponse, j'ai envie de dire. Fais voir. Ironclad court, but I wins that only by ruling a world, and you've got both my brothers locked. Is that liberty? That no. Then you'll whatever ultimatum you're here to give. Mourir seul. Non, mais là, celle va juste s'énerver. On s'en fout. Si nous rentrons chez nous, vous perdrez. Blabla. Permettez-vous d'être votre nouvelle armée, et le Corrado vous appartiendra. What did you say? Oh oh. I'd sooner kill this witch than side with her. After all the setbacks you've handed me, do you think I'd... On the other hand, you have proven yourself remarkably resilient. And you're certainly better organized than these rust bucket savages. Mm-hmm. All right, Rangers. Surrender to me and the future will be ours. Nous pensons plutôt à un partenariat. Sorry, I don't share. And if I did, it wouldn't be with you. Kill these fools. Ok, ok. On va voir, je somme à vos ordres. On va tester à vos ordres. C'est bête qu'on peut pas enregistrer pendant les conversations. Faudrait un mod qui fasse ça, mais bon, j'imagine que c'est un peu le bordel. Parce que au final, la plupart du temps, ce qu'on veut, c'est voir les différentes conversations. Ironclad cordite, but I wins that only by ruling a world in chaos. You've got both my brothers. Is that liberty? That no. Then you'll whatever ultimatum you're here to give me, I'll save you. What did you say? All right, Rangers. The hell we are. I told you I'd kill her. Oh, tu peux même pas. Maintenant, je suis en train de me dire, est-ce que si on a si on enlève, on retire Cordite de l'équipe, est-ce que du coup ça marche? Oh mais putain, il faut que je retourne encore au QG pour l'enlever. Ah bah oui, normalement il devrait partir du coup. Ouais mais putain, oh la vache quoi. Honnêtement, je pense pas qu'on peut s'allier avec elle, ça m'étonnerait. Ironclad cordite. I was wondering what made my shaky little coalition of pawns self-destruct. I should have guessed it was you. I'm impressed. You know how to light matches inside a fireworks factory. Bravo. Je regarde sur internet si on peut. But really? I would have if I was him. Instead, he held you. In case you might be useful one day in some political bargain. Non, j'ai pas l'impression. He fails to understand that bargains and alliances just lead to endless unwinnable wars. Why can't he see the simple truth? Attends, peut-être qu'on peut la rejoindre everything and everyone can one truly have peace. Only an empire is their stability. A world in chaos. You've got both my brothers locked up. Is that sarcasm? Well, it doesn't matter. Now, I'm... Excusez-moi, je regarde un peu vite fait. Sur internet, vite fait, ce qu'on peut faire. Donc après, je demande au partnership. Et si on va... D'accord, donc ça, quand on lui dit...
My name is Lucia Wesson, and I call you out for the deaths of my family and the kidnapping of my father. Return him to me without delay. Ouais, non, on peut pas, en fait. Also, I demand satisfaction from you. En gros, si c'est pas Cordit, c'est Lucia qui va nous arrêter. Mais du coup, si on ne les a pas dans les équipes... Bref. Ouais, bon, on s'en fout. On va lui péter la gueule. On va lui péter la gueule. Truc d'un télo. What have you done? I've lost the fuck. C'est marrant. Désolé, je sais que je vous montre pas, mais je vous montrerai si vraiment il y a un truc intéressant. Je regarde vraiment si, vite fait s'il y a un moyen en fait de s'allier avec elle, mais je suis pas sûr. Parce qu'il y a ou Cordit qui nous laisse pas le faire, parce que du coup il déclenche le combat et on reste dans son. On reste avec lui.